our God is an all-consuming fire.
splendor and majesty, strength and beauty be. Oh, unto your name, Ancient of Days, you're holy, and we tremble before your throne. Our hearts prepare you room. We come and adore, ruined before your glory. Great is the Lord, most worthy of all praise. Great is the Lord, most worthy of all praise. Splendor and majesty, strength and beauty be. Oh, unto your name, Ancient of Days, you're holy. As we tremble before your throne, our hearts prepare you. Come and adore, oh, ruin before your glory. Great is the Lord, most worthy of all praise. Great is the Lord, most worthy of all. Holy, you are holy. Oh, you're crowned in wonders, majesty. You are holy, you are holy. Most worthy.
faith in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, God, you are perfect. You are the perfect Father. And God, we want to praise you, worship you, honor you. We honor you like we honor our earthly parents and far above that, Lord. You are truly our Heavenly Father and we worship you. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a hand of applause to the Lord. Thank you so much. Praise God. Thank you, Andrew. Thank you, Israel. Thank you, Moses. You may be seated. We're going to have now a special time. We're not going to send the children yet to Sunday school, to their time together, because this morning we're going to have a child dedication. All right? So, we're going to do it in English and French. On va faire en français et anglais. Alors, je vais seulement commencer avec une écriture et après je vais appeler le prophète, apôtre, comment vous voulez appeler, Moïse. Et on sait qu'on a des tâches à faire pour le Seigneur et on a des saisons différentes. Des saisons comme pasteur, comme évangéliste, différentes saisons. Alors, aujourd'hui, on va faire la dédication au Seigneur de Hadassa Kol Kaidor. Kaidor, c'est un tréma dans le I, c'est Kaidor. Est-ce que c'est bien prononcé? OK. Et on a la mère de l'enfant, le père de l'enfant. Et moi, je vais seulement lire un passage au livre de Matthieu. Et après, je vais appeler Moïse pour continuer. Alors, je vais lire en anglais et après, il peut lire en français. OK? Je ne sais pas s'il m'écoute, mais il m'écoute? OK. Je vais lire en anglais et après, on va lire en français. And it says, then little children were brought to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked those who brought them. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. When he placed his hands on them, he went on from there. So we see that there was no practice of baptism of children, but there was a different practice right there when Jesus was ministering. They were bringing the children for them to bless them. So he will hold the children and bless them. And so we know that through the history of the church, especially the Roman Catholic Church, started baptizing younger and younger people. And during the Middle Ages, when people were dying of a pandemic in the area of the Mediterranean Ocean, Northern Africa, Europe, all these regions, Middle East, they started baptizing children because they were afraid that they, by them not being baptized, that they will not go to heaven. We know that our God is not like that, but baptism is something we usually do with teenagers in churches like ours. When they start understanding, they ask to be baptized. It's a choice. And so later on, we expect to baptize Hadassa. But this morning, we're going to dedicate it to the Lord. I'm going to ask Moses if you still peux venir. Et on va continuer. J'ai quelques versets ici et tu peux les changer après. Ah, OK, ça s'en vient. Attendez, je vais seulement mettre le...
Gloire à Dieu. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit gloire à Dieu. Non, non, non. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Il fait beau. En hiver, on est froid. En été, on est froid, franchement. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Seigneur? Amen. OK. Amen. Je suis désolé, mais je ne suis pas à l'église catholique ici. Je n'ai rien contre les catholiques, mais je suis un pentecôtiste. Amen. Un homme de feu qui aime le réveil. Alléluia. Quand tu vas à un concert de 50 Cent ou whatever, que concert vous voulez, les gens ne sont pas calmes, les gens ne sont pas morts, les gens font du bruit. Amen. Quand le Canadien joue et que le Canadien marque un but, les gens font du bruit. Donc si les gens du monde sont passionnés pour ce qu'ils aiment, à combien plus forte raison nous ne serons pas passionnés pour Jésus de Nazareth. Amen. Je t'invite à te mettre debout, tu vas donner une bonne main d'acclamation à Jésus. Merci les enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Quelqu'un dit Jésus avec moi. Amen. Je vais lire en français. Amen. Merci Tony pour les enfants. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons à Dieu. Jésus a été présenté 8 jours après. Dans la culture juive, vous pouvez vous asseoir. Amen. Dans la culture juive, 8 jours après, on présente un enfant. Pourquoi on présente l'enfant? C'est parce que les parents ont une alliance avec Dieu et les parents veulent que leurs enfants soient aussi sous l'alliance. Amen. Je m'adresse au père et à la mère ce matin. Amen. Sous l'alliance, donc on les présente à Dieu. Et plus tard, ils auront la décision personnelle d'accepter le Seigneur. Amen. Alors des gens lui emmenèrent des petits enfants afin qu'ils posent les mains sur eux et prient pour eux. Amen. Donc Jésus n'était pas seulement pour les adultes, pour les seniors, pour les malades. Parce que quand on parle de Jésus, on voit juste l'impression, c'est le guérisseur des malades. Amen. Mais Jésus aussi est quelqu'un qui bénit. Amen. Qui croit qu'il est béni par Jésus ce matin. Voilà. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement pour les adultes. Ici, ce partage nous montre que Dieu était aussi concerné par les enfants. Amen. Il leur posa la main pour qu'ils posent la main sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. C'est normal. Je suis africain, je vous ai expliqué. Dans la culture juive, certainement dans la culture, je sais que chez moi en Afrique, lorsque les adultes se réunissent, les petits enfants les mettent dehors. Les enfants n'ont rien à voir avec les affaires des adultes. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une réunion de fête ou peu importe, les adultes qui se retrouvent, les enfants n'ont pas d'affaires à être là. Les choses se règlent en adultes. Et quand tu es un enfant, je me rappelle une fois, j'ai reçu une fessée de mon père parce qu'ils étaient en réunion et puis je suis venu. Je me suis assis. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'avais pas le droit d'être là. Donc j'ai reçu ma petite fessée, j'avais compris que je n'avais pas le droit d'être là. Amen. Donc, les gens viennent avec leurs enfants, les disciples disent non, ça c'est pas, ça n'a rien avec les enfants. Ça c'est une histoire d'adultes ici. Amen. Il est question des choses du royaume, il est question. Jésus dit non, vous n'avez pas compris. Amen. Et il dit, Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Il posa les mains sur eux et il partit de là. Gloire à Dieu, Jésus bénit les enfants. Amen. Et ce matin, nous allons bénir Adassa. Amen. Qui est le fruit de l'union entre le père et la mère, Louise et Stéphanie. Alléluia. Je veux partager quelque chose avant de relâcher la bénédiction, si Tony me permet. On peut aller dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Et je veux que tu me suives. Le Saint-Esprit vient juste de mettre ça à mon cœur. Ça ne sera pas long. Amen. 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. 1 Samuel chapitre 2, verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Et c'est aussi un conseil pour vous. C'est bien de présenter les enfants. Amen. Permettez-moi d'être un peu direct parce que c'est comme ça, c'est l'amour. J'ai vu des gens présenter leurs enfants et les enfants devenir aller dans les profondeurs du monde. J'ai vu des enfants de couples chrétiens, de pasteurs, des gens qui servent Dieu, qui aiment le Seigneur. Mais ces enfants se sont détournés de la voie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une absence de responsabilité des parents. Amen. Ce n'est pas juste de venir présenter l'enfant à l'église religieusement. Les gens font cette attitude religieuse. « Oh, j'ai présenté mon enfant, d'autres vont baptiser. » Mais ce n'est pas l'acte qui va se faire là. À partir de l'instant où vous présentez l'enfant à Jésus, ça veut dire que vous avez la responsabilité d'inculquer les valeurs du royaume à l'enfant. Vous avez la responsabilité de veiller sur l'enfant. Physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement, dans tous les aspects, parce que l'enfant est sous votre couverture. Si vous faillissez, si c'est une mission à laquelle vous faillissez, Dieu vous rendra compte.
éduquer un enfant, c'est plus que l'emmener à l'école, c'est plus que lui l'emmener au McDonald's. C'est une grande responsabilité. Amen. Parce que votre première brebis, ce sont vos enfants. L'église, c'est d'abord la maison. Tu es le pasteur, tu es le berger de Hadassa. Avant que Hadassa soit demain sous une église, qu'elle soit baptisée par quelqu'un d'autre, vous êtes les pères qui devez éduquer les enfants. Et il y a un délaissement de beaucoup d'enfants de Dieu par rapport, de beaucoup de chrétiens, par rapport à leurs enfants. C'est pour ça que l'ennemi est après les enfants. Amen. Je vous expliquais quelque chose de très simple, mais très puissant. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Comprenez bien, un éphod de lin, c'était un vêtement particulier que Samuel devait porter pour servir Dieu. Amen. Maintenant, regardez le verset d'après. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. On va s'arrêter là. Anne était une femme stérile qui avait besoin d'un enfant. Donc Anne a prié Dieu. On sait comment Dieu a fait grâce à Anne d'avoir un enfant. Quelqu'un dit amen. Non, j'aime l'interactivité, je ne sais pas. Moi, Tony, c'est un enseignant, mais moi, j'aime le feu. Quelqu'un dit amen. Ah, ok, d'accord, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, elle a un enfant. Elle décide de donner cet enfant à Dieu, de consacrer cet enfant à Dieu. Elle va élever l'enfant au bout d'un moment donné, quand l'enfant est sevré, il a un certain âge, elle donne l'enfant à Dieu. Mais regardez, la Bible dit que chaque année, Anne faisait une robe à son fils. Ok, j'ai des enfants, vous avez des enfants. Hadassa, la taille qu'elle a maintenant, l'année prochaine, pour quelqu'un qui ne verra pas Hadassa, quand il va voir Hadassa, elle n'aura plus cette taille. Dis amen avec moi. Amen, à moins qu'elle soit malade. Il y a une maladie qu'on appelle le nanisme, les gens ne grandissent plus. Mais l'année prochaine, elle n'aura plus. Donc, à 2 ans, elle aura une taille différente. À 3 ans, elle aura une taille différente. À 4 ans, elle aura une taille différente. À 5 ans, elle aura une taille différente. Mais ça veut dire que chaque année, la mère devait ajuster les mesures de la robe. Amen. Or, je t'explique quelque chose. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Instagram. Il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de téléphone. Comment est-ce que la mère pouvait savoir la taille de l'enfant chaque année pour avoir des mesures exactes pour l'enfant, pour la robe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu achètes des chaussures d'un enfant à 2 ans, sois sûr qu'à 3 ans, tu vas acheter encore des chaussures plus grandes. Amen. Mais tu dois, quand on va magasiner pour nos enfants, on va avec nos enfants. Je n'ai jamais vu quelqu'un parfois. Il y a des gens qui le font. Parce que bon, ils ont une idée à peu près de la taille de l'enfant. Aujourd'hui, on a des vêtements standards, du prêt-à-porter. Mais à cette époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Donc si tu veux avoir un enfant, il faut que tu puisses mesurer au moins la taille de l'enfant. Pour pas que la robe soit trop grande, soit petite. Mais comment Anne pouvait avoir la dimension de la robe de l'enfant chaque année? C'est parce que Anne était une femme qui intercédait pour son fils. C'était une femme qui priait pour son fils. La révélation de la mesure de la robe se faisait par l'esprit. Quelqu'un dit amen. L'éducation spirituelle que vous allez apporter à vos enfants est une éducation de l'esprit. Il y a un vêtement spirituel qui est sur la vie de l'enfant. Chaque fois qu'elle va évoluer, le vêtement sera différent par rapport à son intelligence, par rapport à l'appel de Dieu sur sa vie. Et vous devez avoir la responsabilité de designer le vêtement. Ça veut dire que lui donner l'éducation par rapport à la robe. Ça implique que vous devez avoir une communion avec Dieu pour avoir une intimité avec l'enfant. Connaître votre enfant sur le plan spirituel. Connaître votre enfant sur le plan physique, sur le plan naturel. Quelqu'un dit amen. Je m'adresse à vous. Ça veut dire que plus vous allez passer du temps dans la prière, plus le Saint-Esprit va vous donner d'avoir la robe et le vêtement spirituel de votre enfant. Ce n'est pas l'esprit. Parce qu'elle pouvait voir la taille de l'enfant dans l'esprit. Quand vous êtes consacré à Dieu, vous n'avez pas besoin que votre enfant vous parle. Dieu vous parle pour votre enfant. Dieu vous dirige pour votre enfant. Et ça prend l'unité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir votre enfant sur la base de la bénédiction qui est nombre 6, versets 22 à 27. On peut vous remettre le slide de Tony? Tony, the slide one, yeah. Nombre 6. Amen. Et j'encourage tous les parents ici. J'encourage tous les enfants, tous les parents. Amen. Tu ne peux pas élever ton enfant si tu n'es pas dans l'esprit. Amen. Il faut vraiment dire au Seigneur, je veux connaître mon enfant dans l'esprit. C'est ainsi que tu vas lui donner une éducation selon son appel, selon sa destinée, selon ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. C'est ainsi que le Saint-Esprit va t'impliquer à comprendre ton enfant spirituellement. Parce que l'ennemi est après nos enfants. Et l'ennemi est spirituel. Amen. J'ai vu des parents grandir avec des enfants. L'enfant a pris une autre orientation. Je ne vais pas dire le nom, mais ils n'ont jamais su ça. Jusqu'au jour où ils sont surpris
Que rien ne vous surprenne. Que tout ce qui arrivera à votre enfant, que l'Éternel vous le révèle dans le nom de Jésus. Puissiez-vous être unis dans votre foyer et prendre l'éducation de cet enfant au sérieux. Parce que c'est une responsabilité. Marie et Joseph avaient eu Jésus à éduquer. Ils avaient compris que c'était une grande responsabilité. Amen. Que Dieu préserve Hadassah de la génération perverse. Que Dieu préserve Hadassah de tout ce qui peut être dehors. Parce qu'il se passe tellement de choses dehors. J'ai vu des mères pleurer, j'ai vu des familles brisées. Parce que l'éducation qu'ils ont accordée à leurs enfants a complètement été détruite par l'ennemi. Cela ne vous arrivera pas. C'est pour cela que, ici avec l'homme de Dieu, nous voulons bénir l'enfant pour sécuriser l'enfant. La Bible dit « Instruis l'enfant selon les voies de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc vous avez la responsabilité de poser le fondement, la semence, au travers de l'éducation, remplie d'amour, remplie de fermeté, remplie de joie. Elle va vous regarder. Hadassah va vous regarder. Si vous vous chicanez, soyez sûr qu'un esprit de violence entre en elle. Amen. Si vous vous aimez, elle sera un enfant qui sera rempli d'amour. Si vous vous parlez avec la violence verbale, de sa bouche sortira de la violence verbale. Vous êtes le fondement et la fondation de cet enfant. Un leader lead par exemple. Amen. Il ne lead pas par le fait de... Donc vous devez leader l'enfant par exemple. Aujourd'hui, quand je suis avec ma femme, on voit la fille... Elle commence à parler en langue parce qu'elle nous voit souvent parler en esprit dans la maison. L'enfant va reproduire tout ce que vous faites. C'est pour ça que vous avez la responsabilité de comprendre que nous allons présenter cet enfant. Ce n'est pas simplement une action, un acte religieux. Oh, on a présenté l'enfant, on a béni l'enfant. Mais vous êtes le gardien et la gardienne de l'âme de Hadassah. Que le Seigneur vous donne toutes les ressources nécessaires. La force, l'énergie, les finances. La dimension de l'esprit, que Dieu vous révèle des choses cachées dans la vie de cet enfant. Même si vous emmenez à la garderie que quelque chose se passe, vous devez le savoir. Que Dieu vous avertisse de tout ce qui va arriver dans la vie de votre enfant. Afin que vous soyez des hommes et des femmes qui seront des facilitateurs de la destinée de Hadassah. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de vous mettre debout avec bébé. Et je vais inviter mon ancien Tony. Et Nombre chapitre 6, verset 22. Ok, tu vois, elle est plus à l'aise avec papa. Hein? Amen. Les filles sont toujours accrochées au papa. Amen. Ok. Je vais demander à la congrégation de nous soutenir dans ce qu'on va faire, dans l'amour. Merci aussi à ceux qui sont venus. Pardon? Oui, venez. Le parrain, la parraine, venez aussi. D'accord. Tu peux venir ici. Ouais, venez sur le stage. Ouais. C'est le parrain, il y a la marraine. Il n'y a pas de marraine, c'est juste le parrain. C'est la marraine, oh ok. Ça c'est le parrain, ok. Toi c'est la marraine, toi c'est le parrain. Amen, ok. Super, ça veut dire que vous avez aussi la responsabilité de prier et d'être impliqué spirituellement dans l'éducation de l'enfant. Parce que des fois, arrivera, ils ne vont peut-être pas écouter maman ou papa, mais ta voix aura plus d'impact dans la vie de l'éducation. Amen, c'est sa grande sœur. Ça veut dire que, comment tu t'appelles déjà? Nafkaina. Dafkaina. Ok, c'est tout ce... Ok, Dafkaina. Ok, Oli Kaidor. Ok, non, j'ai juste le prénom. Ok, Dafkaina. Ça veut dire quoi, Dafkaina? C'est sa grande sœur. Va te copier. Va, tout ce que tu vas faire, va faire pareil. Parce que les parents ne seront pas forcément... Ils sont en train de travailler. Va te regarder. Ça veut dire que tu dois emmener la parole de Dieu à Hadassah. Tu dois prier avec Hadassah. Tu dois être quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est important. Amen. Parce qu'Hadassah a une grande destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais combien de fois on a prié pour ce bébé. Amen. Et aujourd'hui, elle est là. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Au nom de Passion Center, on veut bénir cet enfant dans la simplicité, mais dans la profondeur de l'amour de Jésus. Amen. C'est Jésus qui bénit les enfants. Et la Bible dit, là où deux ou trois ils y est, il est rassemblé, se tient au milieu d'eux. Amen. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Donc voici comment nous bénirons Hadassah ce matin. Amen. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel bénisse Hadassah et que l'Éternel garde Hadassah. Amen. Que l'Éternel fasse briller son visage sur Hadassah et lui accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers Hadassah et lui donne de la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, amen, sur Hadassah.
et je la bénirai. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je la bénirai. Je la bénirai. Est-ce qu'on peut étendre notre main? On peut étendre notre main dans la simplicité. Amen. On veut aussi que la grâce qui repose aussi sur tous nos enfants qui sont là. Amen. Peut-être que ton fils ou ta fille n'a pas été présenté ou un renouvellement, que l'onction, amen, de la dédicace ce matin se repose sur tous nos enfants, même ceux qui sont en voyage, qui ne sont pas là. Amen. Nous croyons cela dans le nom de Jésus. Donc je veux que tu étends ta main et puis on va prier pour eux. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons et nous prions pour Adassa. Nous prions que, Seigneur, tu accordes la vision spirituelle qu'elle soit une femme de prière, qu'elle soit une femme, Seigneur, de consacrer un enfant qui sera un signe pour sa génération, un enfant qui sera la voix du ciel, un enfant qui va se démarquer de tous nos enfants, que ce soit à la garderie, à l'école, à l'université. Nous prions pour son avenir, Seigneur, que tu la préserves entre tes mains et que, Seigneur, tu ne permets pas à l'ennemi. Seigneur, tu as béni les enfants et nous croyons ce matin que le nom de l'Éternel est invoqué sur elle et que, Seigneur, tu fais briller ta face sur elle et que tu la bénis dans ses départs, dans son arrivée. Seigneur, la Bible dit que Samuel grandissait en statut et en sagesse. Et Jésus aussi grandissait en statut et en sagesse. Et il avait trouvé grâce et faveur devant les hommes et devant Dieu. Que Adassa trouve grâce et faveur devant les hommes et devant Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la santé. Ni la maladie ne sera son partage. Jamais Adassa ne rentrera dans un hôpital, Seigneur, dans le nom de Jésus. Jamais, éternel Dieu de gloire, que les mauvaises fréquentations ne pourront emporter son cœur et sa volonté. Mais nous prions qu'elle soit une femme de Dieu, une femme consacrée, un enfant qui va aimer les choses de l'esprit. Un enfant, Seigneur, qui pourra passer du temps dans la présence de Jésus. Seigneur, merci encore, parce que nous écrivons, Seigneur, Père, oh Dieu, nous l'emmenons sous l'autel, Seigneur, sous l'alliance des pères, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous la bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le peuple de Dieu atteste cette prière et dise Amen. Adassa, que le Seigneur, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Amen. Et t'accorde sa grâce. Que Amen. L'Éternel se tourne vers toi, mm-hmm, et te donne la paix. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Passion Center et puis de leader Tony et tout le leadership, on vous donne cela pour attester la dédicace d'Adassa. Amen. Que cela soit un point de contact. Photo, ok. We want to just send the children also to the other side. Les enfants, vous pouvez aller à l'autre côté. Vous avez à voir. You may be seated. I would like to share a word with you. And it's good to know that we serve an almighty God. Amen. How many of you serve an almighty God? All right, so today I want to share something for your spiritual life. And then we're going to pray for one another. Now I want to tell you that the Spirit of the Lord will carry you. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont guidés, sont encheminés par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur. So all of God's children are led by the Spirit of God. And today, I want to share just an aspect of Scripture that sometimes we do not talk much, but we need to be aware of the action of the Spirit of God, so we won't be surprised by anything God does in us, all right? So I want to share a few instances in the Bible where people were transported by God from one place to another. Now, how many of you like electric cars? Comment vous aimez les voitures électriques? Quelqu'un? Non? Now, muscle cars. A Chevy Camaro. So we use vehicles to transport us faster than ever before. In the days when the Bible was written, they were transported by horses, by chariots,
But they were also transported by God. And I don't know if it ever happened to you that you arrived to a place you don't know how you got there. That can be good, that can be bad, eh? let's say you're coming to church, you leave your house, and suddenly you arrive here and say, oh, I don't remember, how did I get here? Did it ever happen to you or just to me? Okay, some of you are saying like this. So it's like we come in by car or by bus, whatever, and we put the autopilot. So our mind is thinking about other things, and then suddenly we arrive and says, oh, wow, I'm here. I don't remember what happened. So this is not what I'm talking about today, okay? Because this can happen to all of us. To me, it happened many times. I'm praying in my car, and I get distracted, and then I arrive to a place, and I don't remember what road I took. How did I got here? That can be dangerous, eh? Well, this is not what I'm talking about, but this can happen to us. So let me read now from Scripture, not all, because there's so many scriptures that mention this aspect that the Lord will transport a prophet, a person from one place to another. This is in Kings, it's with Elijah. And it says that someone is talking with Elijah, and Elijah is supposed to make an appointment with the king. And here's a servant of the king telling Elijah, well, Elijah, as soon as I'm gone, he said, the Spirit of the Lord will carry you to a place I do not know. Because they were used to see Elijah disappearing like this, poof. And that's what we understand by reading the whole passage. And so when I come to tell Ahab and he cannot find you, he will kill me, he will execute me. But I, your servant, have feared the Lord since my youth. So this man is worried because he needs to report to this evil king, Ahab. And he knows that suddenly the prophet can just poof, disappeared and be transported to another place. Now, I'm sure you all watch TV shows. There's a famous one where someone says, beam me up, Scotty. You know what show is it? Star Trek. So in Star Trek, they say, oh, beam me up, Scotty. And so they will disappear from one place, they will show up in the spaceship or whatever by means of technology. Now, this is not just imagination of man, but many of these shows and series and things, they go to Scripture, to the Bible, to apply what was a supernatural action to a technological action. And I can't wait for the time when they have the technology where I want to go to Paris, and instead of taking an airplane, I'm going to be beamed to Paris. That was going to be so cool, eh? I want to go to anywhere. I want to go to New York, and poof, here I am in New York. And so there's all kinds of shows. There was one called Sliders that they will slide like this to any part of the world. It's a superpower for Marvel superheroes, but it's one of those superpowers of the Bible. And you see it here with Elijah. Now, this is a famous one in the New Testament. Philip, which was an evangelist, he's instructed by the Lord to speak to this rich Ethiopian man, this rich African man. He's in charge of an harem of women, so he's an eunuch because, you know, in those days, they will castrate men that will take care of women, and so he's a very wealthy man. He's reading Scripture. He's going in a chariot. That's a good means of transportation for those days. That's the Cadillac of the New Testament. It's a chariot. He's in a chariot. He's reading Scripture. Probably he has a small army of men keeping him, and Philip is instructed, go and approach the chariot and speak to the man. And so he does so. This is on the way from Jerusalem to Gaza. So it's in the
in a desert place. I'm going to skip a few scriptures because as Philip talks to the man, he receives revelation from God. Philip talks about baptism, and the man asks to be baptized. He didn't went on a course of 5 weeks about baptism. No, he's baptized right then. This is the way things should be. When you come to Christ, you want to be baptized, let's baptize you. And I baptized many people like this, that on the spot we were doing baptisms, they said, oh, I want to be baptized too. Okay, I'll baptize you. You know, religious people don't like this, but this is the way of the Bible. So the man is baptized, comes out of the water, and it says in Acts 8:39, and when they came out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away. And it says, and the eunuch saw him no more, went on his way rejoicing, but Philip found himself at Azotus. That's about 30 to 40 kilometers from that spot. So he's transported, he's carried away 30 kilometers, and then he looks around and poof, where am I? He's in Azotus. It's a little town around there. So it's not that he went, like I was telling you, an autopilot walking 40 kilometers in the desert to Azotus. But this scripture has been studied by many people because they find amazing, supernatural. How can you be in a place and then be transported? This is like what happened to Elijah. It's what happened to Jesus. Here's Jesus resurrected. He shows himself to the apostles. He's at the table with them. It says in Luke 24, he took bread, blessed, broke it, gave it to them. Their eyes were open, and they recognized Jesus. And when they recognized Jesus, he says, and he vanished from their sight. Do you understand what I'm saying? He disappeared. He was like, poof, here's Jesus, and here's, where is he? He just vanished. And this happened many times during the ministry of Jesus. There's reports that they were upset with him. They were trying to stone him. And the Bible says he will pass through them and disappeared from their sight. So this was something that happened in the ministry of Jesus. In the Old Testament, this started to happen with the prophet, with Jacob. It says, Genesis 28:10, as soon as our father Jacob lifted up his feet from Beersheba to go to Haran, the earth shrank before him, and he found himself in Haran. So I'm showing just a few scriptures so you will see that this is nothing particular just to Philip or just to Elijah or just to Jesus, but this is something that happened supernaturally throughout the Bible. And so this is one of the reasons people think, oh, the Bible cannot be true. It cannot be true because this is it's too fantastic. How can you be in a place and boom, you're in another place? Now, people will accept this if this is a Marvel comic story. People will accept this if this is Star Trek or Star Wars or whatever fantasy, and kids will play, according to these fantasies. But the Bible is no fantasy. God can supernaturally bring you from one place to another. And I want you to be aware of this. Why do I want you to be aware of this? Because our God can do anything. And if this happens, don't be disoriented, thinking, oh, do I have early Alzheimer's? What happened to me? I was there and now I'm here. What happened to me? Do I have dementia? I was here and now I'm there. Now, this is not about a logical explanation of what happened. It's a supernatural move of God. God can transport you from one place to another place. And there's scriptures where it says that angels did this. Others don't mention angels. They say just, well, poof, they were there. Like this story of Philip talking with the eunuch, there's an old translation that comes from another scroll of scripture where it says when they came out of the water, an angel took Philip
and put him in Azotus. I don't know if it's an angel. I don't know if it's just the Holy Spirit. I know God can do this, can move you from one place to another. But let me tell you, every time this happened, it happened either for protection of people or for ministry. Because when Philip found himself in Azotus, he preached the word of God in Azotus. Okay, so he was moved from one place to another, and then there he preached. This never happened to me in my lifetime, but I still have hope that one day I'll be like in Beijing or Hong Kong, surrounded by different people and preaching the gospel to them, and then move back to Montreal. That will be so cool. That will be so cool. How many of you would like to be transported like this? Eh? Better than an electric Tesla, better than a muscle car, better than an airplane. You don't need vaccines to be translated from one place to another. You don't need any checks. God can do this. You know, Jesus Christ resurrected, he moved through walls. Because that's how people interpret. Because it says the disciples were closed doors in a place, and suddenly, poof, Jesus shows up. Jesus shows up in the party, talks with them, and then, poof, he vanished from their sight. You know, I had this experience of having an encounter with Jesus. I was just a young Christian, and Jesus showed up in the room where three of us were. It was in a Teen Challenger rehab center. So when we told about this, people thought, oh, these guys probably took some drugs and are having hallucinations. But I know that I've seen Jesus giving us a call to all of us, and all of us in that room became pastors. Isn't that interesting? And we saw this vision and then poof, disappeared. Now, was it Jesus himself? I don't know. Was it something just in our spirit? I don't know. But what we read here is far beyond that than having just like a vision of an angel or Jesus. It's being literally transported. Your molecules are here and then your molecules are there. And how can God do this? I don't know the mechanics of this. I cannot say, beam me up, Scotty, to the Holy Spirit. But I know that my God can beam me out of any situation. He did this in my life once, where I was going to be crushed by a truck, an 18-wheeler, on a bridge, and my car passed through the bridge, and the 18-wheeler passed through the bridge. And when we stopped, both of us stopped the cars, the truck driver came with a measurement to measure the bridge and the truck and my car, and it was impossible for us to have passed through the bridge. But I believe what the Holy Spirit did, he transported me through the truck to the other side, and nothing happened. Physically impossible. So I'm not telling you about miracles that are just in the Bible. God's still able to do these miracles. God is still able to do this with you. You just need to believe. You need to know the Word of God to know these things. Because let me tell you, you may be found in circumstances that are impossible, but God is able to beam you out of a situation. God is able to transport you to another town. God is able to do things you cannot even think or imagine. This is my God. Let us all stand. And I would like to pray. And as we pray, listen, we're teaming up here, myself and Moses and others, some of you that are here, to minister the word of God here in this place. And I believe this is a Rhema word for some of you. It's a special word because God wants to prepare you. God wants to prepare you for a situation in which you will be yourself, you will be in a place not knowing how you got there. Don't be worried. Don't be surprised. Don't panic. Just lay your confidence, your trust in the Lord. I'm going to ask you to come here. We're going to pray for you. I'm going to have a word of prayer. And I believe that God, the supernatural God that we serve, is able to do this. You know, some Christians don't believe in this.
in the supernatural action of God. Yes. But then they believe they're going to be beamed up like raptured to heaven, which is the same thing. Exactly. It's the same thing. So they say, oh, God cannot do that, but God can rapture a whole church of millions of people, but he cannot place a prophet from one place to another. Listen, God can do anything. Yes. So God, I pray right now for all my friends here, raise our faith, Lord, raise our level of faith. Yes, and God, I believe that in the coming time, in the coming days, you're about to do something extraordinary, and the Spirit of the Lord will carry us to the places where we need to be. So bless us, and Lord, I pray for open minds and open heavens over each one of us, in Jesus' name, amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen. Juste pour rapidement continuer de ce qu'il a dit en français, veuillez vous asseoir juste deux minutes. Genèse chapitre 1, verset 2. Juste pour vous montrer que tout a commencé depuis la Genèse avec le Saint-Esprit. Il y a une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le Saint-Esprit bouge, le Saint-Esprit se déplace, le Saint-Esprit aime les gens qui sont en mouvement. Amen. Et Philippe avait le cœur d'aller gagner la Samarie et l'Esprit l'a transporté. Et c'est possible lorsque tu es en mouvement pour le Seigneur. C'est possible lorsque tu es passionné pour le Seigneur. Mais ces choses ne sont pas possibles lorsque tu es dans le confort de ton salon, tu n'es pas intéressé par les choses de Dieu, tu es plus préoccupé à ta propre vie personnelle. Mais il faut que tu aies la passion de dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Amen. Quand tu veux te déplacer, quand tu veux bouger pour les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te transporter d'un endroit à un autre. Je vais vous donner mon témoignage. En 2011, après le tremblement de... un an après le tremblement de terre, j'étais en Haïti. J'allais aller prêcher à des pasteurs et j'avais mes deux valises. Quand je suis arrivé, on m'a dit que vos valises sont perdues. Mes valises n'étaient même pas venues, n'étaient pas parties de Montréal en Haïti à Port-au-Prince. Donc j'étais sans valise. Suivez-moi. Et c'est mon témoignage. Je ne sais pas pour vous, c'est mon témoignage. Sans valise. Ah, mais Seigneur, je vais passer au moins 10 jours, je fais comment? Ok, on va voir la compagnie, peut-être qu'on va ramener encore le prochain vol. J'ai dit, Saint-Esprit, envoie-moi, je veux mes affaires. Seigneur, je te donne 5 minutes. Et donc, je suis en train de marcher dans l'aéroport. Et là, 5 minutes après, je tourne, mes valises étaient juste à côté de moi. Tu peux ne pas me croire. Ça, c'est ma vie, c'est mon témoignage. Donc je crois dans ce qu'il est en train de dire. Je crois dans le mouvement angélique. Et je crois dans une chose, c'est que Jésus revient bientôt et Dieu va commencer à manifester ces choses en prémisse à l'enlèvement. Je serais surpris de voir des choses extraordinaires. Comme il a dit, te déplacer, l'ange a littéralement, j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas m'emmener en mission et mes affaires restent de l'autre côté. Je veux mes affaires. Pour ceux qui étaient en Haïti, peut-être pendant la période après le tremblement de terre, l'aéroport n'était pas forcément rénové. C'était vraiment un fouillis et du désordre. Les gens venaient, il y avait tout le monde. Parce que les gens étaient en pleine reconstruction. J'ai dit non Seigneur, je ne veux pas. Avant que je sorte, je veux mes affaires, je vous assure. Aussitôt que j'ai tourné, mes deux valises étaient là, Tony. Et j'ai dit, yes, ça c'est le Saint-Esprit, je suis parti. Tout dépend de ta foi. Dis à quelqu'un, tout dépend de ta foi. Est-ce que tu crois? Il faut croire au surnaturel. L'église des temps de la fin est une église du surnaturel. Ce n'est pas une église religieuse. Amen. Dieu est capable de tout. Le surnaturel. Et moi, je crois même au transfert financier. Ah. Mais écoutez, si Dieu peut me déplacer, il peut aussi prendre l'argent quelque part pour le mettre dans mon compte. Dis amen. On le vit tout le temps. On le vit. Pas plus tard qu'à 2 mois, on le vit encore. On continue de le vivre avec mon épouse. Des fois, on se réveille, on voit l'argent dans le compte. On regarde. Ça vient du gouvernement, mais le gouvernement te dit tu leur dois et quelques temps après, c'est eux qui te donnent. Vous comprenez, il y a trop de choses. Des fois, tu ne travailles pas, tu ne t'attends pas à avoir un gros salaire et tout d'un coup, tu regardes dans le compte, tu vois que tu as été payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Je le vis dans mon mythe. Mais tout dépend de ta foi. Où tu veux aller? Est-ce que tu crois? C'est pour ça que Tony a dit, ce n'est pas seulement dans la Bible. Dieu le fait encore aujourd'hui. Mais tout dépend de ta foi. L'Église, on a une foi qui est trop... Il faut le croire. Crois au surnaturel. Crois que Dieu peut faire des choses fortes. Amen.
folle. Moi, je suis un crazy. Je crois en tout. Amen. Je vous assure. Je crois que je peux rentrer dans un restaurant, manger pour 500 pièces et quelqu'un va payer. Ah, vous voyez, pasteur, t'exagères. Ils vont te demander de faire la vaisselle. Non, c'est vrai. Mais c'est arrivé. Je dis, Seigneur, je veux manger dans ce restaurant. Par la foi, je m'assois. Il faut que quelqu'un paye. Je t'assure. Et tu t'assois, tu manges. Tu commandes même les repas les plus, le menu le plus coûteux. Tu manges. Et on vous demande, tout va bien? Oui, ok, tout est beau. Oui, oui, tout est beau. Et quand c'est fini, tu dis, Seigneur, j'ai terminé. Je veux que tu payes la facture. Ça m'est déjà arrivé. Et tout d'un coup, quelqu'un se lève. Oh, bonjour, j'ai l'impression de t'avoir connu quelque part. Oh, non, 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 ok, on salue, ok, parfait. Ben, je ne sais pas, mais quelque chose, je vous paye la facture. Quelqu'un paye la facture. Amen. Mm-hmm. C'est pour ça que tu ne peux pas m'empêcher de servir Jésus et de l'aimer, parce que je sais ce qu'il fait pour moi. Le miracle de Tony, écoutez, c'est ce qui fait que ce qui bâtit ta foi, c'est ce que tu vis avec le Seigneur chaque jour, les miracles de chaque jour, même dans les plus petites choses. Amen. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la COVID sans symptômes, sans rien. Les gens étaient perturbés, ils ne comprenaient pas. Vous ne toussez pas, non. Mais c'est positif. Vous n'avez pas rien. Vous n'avez pas mal à la tête. Vous n'avez rien de tout ça. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre parce que je viens d'être bizarre en Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu veut une église surnaturelle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était une masse informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est un esprit qui est en mouvement. Est-ce que tu es prêt à bouger pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à embraser des choses nouvelles? Est-ce que tu es prêt à aller de lieu en lieu pour le réveil? Si nous sommes prêts pour le réveil, alors l'Esprit de Dieu va nous transporter. Amen. Il le fera. Des fois même, tu peux être physiquement ici, mais ton esprit se trouve quelque part d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu es ici, mais ton esprit est ailleurs. Tu vois tout ce qui se passe. Tu entends tout. Tu perçois tout. Tu touches même tout. Et tu reviens. Le Seigneur le faisait. Il prit l'esprit d'Élisée. Il le transporta dans la chambre du roi de Syrie. Pendant qu'il complotait des mauvaises choses contre l'armée d'Israël, le Seigneur lui permettait de voir, d'entendre tout. Le Saint-Esprit est possible. Et c'est l'église de la fin des temps. Amen. C'est l'église de la fin des temps. Mais il faut que tu crois. Ce n'est pas une église religieuse. C'est une église surnaturelle. Je lisais ce passage et Tony, tu vas me dire si c'est... Il y a un verset qui dit... Jésus a une préoccupation. Il dit, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il de la foi sur terre? Bon, je me pose la question. Tout le monde parle de Jésus aujourd'hui. La foi a littéralement rempli toute la terre. Amen. Amen. Oui. Partout. Avec les sociaux médias, on prêche. J'ai dit, mais Seigneur, tout le monde parle de toi, tout le monde a la foi. De quelle foi parles-tu? La foi du surnaturel, des temps de la fin. Parce que lorsqu'ils vont t'empêcher d'aller faire de l'épicerie, et c'est important ce qu'il est en train de dire, allez, je vais rentrer. Lorsqu'ils vont t'empêcher d'aller faire de l'épicerie, parce que tu vas refuser de te soumettre au système de l'antéchrist, tu ne peux ni acheter, ni rien faire du tout. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Tu vas te réveiller le matin, tu vas ouvrir ton frigo et il est rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. C'est une autre dimension. Où le monde ne pourra pas nous arrêter parce que le surnaturel sera sur nos vies. On va te dire que, ok, si tu n'as pas tel vaccin, tel ceci, tu ne peux pas payer de gaz. Ok, Seigneur, pas de problème. Le matin, tu te réveilles. Ton auto est rempli de gaz. Chaque jour, il est rempli de gaz. Une fois, on me rappelle, on était venu d'une mission, et puis on arrive, on voit un gros truck de métro. Tu te rappelles? Devant la maison, un gros truck de métro. Je dis, mais là, ça fait quoi ça? Et gros, là. Et tu vois le monsieur qui débarque l'épicerie. Il sonne. Moi, j'arrivais. Et puis, mon business a été. Vous avez commandé ça? Il dit non. Il dit, bah, écoutez-moi, je ne sais pas, c'est vous, c'est pas vous. J'ai une adresse. Il faut que je délivre tout ça. Il dit, mais on n'a rien commandé. On a appelé. Non, 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 c'est commandé. Et les gens ont commencé à délivrer près de 400-500 pièces d'épicerie. Bah oui, c'est possible ici. Dire à quelqu'un, tout est possible avec Jésus. Mais est-ce que tu crois? Amen. Moi, je crois à ça. Tu crois le surnaturel. Donc, Dieu est capable de te transporter. Sans vaccin. Amen. Il est capable. Alléluia.
Mais il faut que le niveau de notre foi soit élevé. Il faut qu'on croie. C'est pour ça qu'il dit, le royaume c'est comme des enfants. Oh, j'aime ce verset. Comme un enfant. Dites à un enfant, je vais te donner un avion, demain il va te croire. Demain il va te dire, papa, il est où mon avion? Il est où mon avion? L'enfant croit à tout. Soyons comme des enfants. Dieu cherche une église puissante. Mais il faut que ton niveau de foi... En fait, on commence à croire à des choses impossibles. Souvent, nous croyons à des choses possibles. Souvent, nous croyons... En fait, nous limitons Dieu dans ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Amen. Je vais vous donner un petit exemple. Tu cherches du travail. Tu vas déposer ton CV, ton résumé. Et tu dis, Seigneur, donne-moi du travail. Mais dans ta tête, tu veux passer par le processus normal. N'est-ce pas? Entrevue, ils vont t'appeler, ils vont te faire signer les documents, félicitations. Donc, pendant que tu pries, tes prières emmènent Dieu dans le système du monde. Mais il dit, je suis un grand Dieu. Est-ce que tu penses que tu peux avoir ce travail sans même passer une entrevue? Pas entendu? Ah, ok, d'accord, je pensais que j'étais seul, Tony. Mais oui! Seigneur, je veux ça, mais de façon extraordinaire, surnaturelle. Alléluia. Tu peux être chez toi, la compagnie t'appelle, on dit, venez travailler le lendemain. Est-ce que, mais Seigneur, j'ai jamais envoyé de CV. C'est pas grave, on a trouvé votre CV, on ne sait où. Ça vous est jamais arrivé? Une compagnie t'appelle, tu dis, mais Seigneur, j'ai jamais envoyé de CV là-bas, rien. Oui, on t'appelle, on te dit, viens travailler le lendemain. Dieu est prêt à des grandes choses. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit limité. Enoch a été enlevé. Élie. Toutes ces personnes que vous voyez, Élisée, ils ont travaillé avec la dimension du surnaturel. Et Jésus cherche une église surnaturelle. Écoutez-moi, le Québec sera réveillé que par le surnaturel. Ce n'est pas nos réunions ordinaires que nous faisons, ce n'est pas notre petite croyance qui va toucher le Québec. Les gens sont dans le confort, ils ont l'argent, ils ont les cartes de crédit, ils ont l'assurance maladie, ils ont tout. Jésus t'aime, ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Mais lorsque le cancer disparaît, lorsque les gens voient des choses surnaturelles, là, le surnaturel va attirer. Et tu as besoin de rentrer dans cette dimension. Amen. Donc, je crois, moi, je suis persuadé que le temps viendra, Tony, on va voyager sans passeport. Amen. Je vais vous laisser avec ce témoignage. C'est un homme de Dieu du Nigeria. C'est quelqu'un qui est beaucoup consacré. Chaque fois qu'il va aller dans un pays, il rentre dans sa salle de bain. Je lui dis, rentre. Donc, quand il ouvre la porte de la salle de bain, et qui rentre dans la salle de bain. Quand tu ouvres la porte pour ressortir de la salle de bain, il se trouve dans le pays où est-ce qu'il est. Dans les toilettes de l'aéroport. Tu peux ne pas me croire. Juste pour dire que Dieu le fait encore aujourd'hui. De la même façon nous prions pour les malades, que les malades sont guéris, c'est de la même façon que l'Esprit de Dieu aussi peut nous emmener. Parce que nous faisons tout par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Mais l'Esprit de Dieu est limité par notre absence de foi. Ton doute limite Dieu. C'est tout. Amen. Ta foi permet à Dieu de faire des choses impossibles. Mais quand tu doutes, tu limites Dieu. Donc la seule chose qui peut limiter le Seigneur dans notre vie, c'est notre doute. Amen. Il est capable de tout. Alors, je veux expérimenter. Qui veut expérimenter le surnaturel? Amen. Je t'encourage à te mettre debout. On va prier. Amen. Et je veux que de tout ton cœur ce matin, avant que nous prions, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui n'est pas encore sauvé? Qui n'est pas trop sûr? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui est chrétien, mais qui sent que sa vie spirituelle ces derniers temps n'a pas été comme Dieu veut, mais qui veut reprendre un nouveau départ avec le Seigneur? Je t'encourage à venir. Amen, sous vos acclamations, viens là. Je vais t'encourager. On va juste prier pour que Dieu te repositionne, te remet dans une nouvelle dimension de ta foi. Et que Dieu aussi te pardonne et que tu te repositionnes. Peut-être que tu es chrétien, mais dernièrement, ta relation avec le Seigneur n'a pas été comme tu voulais. Amen. Sinon, écoute, on va prier le Seigneur. Je veux que ce matin, tu élèves la voix. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, tu es fatigué. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais dis à Dieu, je veux expérimenter des choses folles avec toi. Je veux expérimenter des choses extraordinaires avec toi. Je veux expérimenter des choses pas possibles avec toi. Des choses que ce que les oreilles n'ont jamais entendu ou les yeux n'ont jamais vu. Je veux, Seigneur, pour ma vie, pour mon ministère, pour ma maison, pour mes enfants, je veux des choses extraordinaires. Je veux le surnaturel. Élève la voix et commence à prier. Amen. Élève la voix et commence à prier.
Alléluia. Parle à Jésus. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux que tu me transportes. Je veux que mon esprit aille de l'avant. Je veux me soumettre.